Une nouvelle composition. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'il y a une femme de ménage, Rachel Keke, qui est devenue députée parlementaire. Ça, c'est vraiment une nouvelle très, très encourageante. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez cette nouvelle composition au niveau parlementaire comme un espoir pour pouvoir faire pousser encore, faire avancer des choses? En tout cas, c'est sûr qu'il a pris... Il a pris quand même, pour parler vulgairement, une déculottée aux dernières élections. Et ça, c'était plutôt agréable, notamment vis-à-vis de ces femmes et tous ces gens précaires qui sont, par l'attitude d'Emmanuel Macron, je ne sais pas comment vous le connaissez à Taïwan, mais qui est quelqu'un de très arrogant, très méprisant, et très, qui est le représentant des vainqueurs de la mondialisation, du monde de la finance, etc. Donc, on va dire que ça va mieux. C'est très plaisant de voir Rachel Keke à l'Assemblée nationale, parce qu'au moins, on a l'impression que les gens sont un peu mieux représentés. Monsieur Perret, merci beaucoup d'avoir dialogué avec nous. C'était vraiment un très grand plaisir.